L'attrait de Picasso pour l'art roman s'explique probablement par la simplicité et l'efficacité des formes romanes, qui sont très immédiates, très denses, très simplifiées d'une certaine manière, et qui sont une autre forme de primitivisme de l'art. On a le sentiment, quand on est devant ces fresques d'art roman, ou même devant ces sculptures, la Vierge de Gozol qu'il a pu voir en 1906, d'être devant une enfance de l'art. Et c'est quelque chose qui intéresse les artistes au début du XXe siècle. À l'occasion de cette exposition, nous avons exploré les archives du fonds du musée Picasso, les archives personnelles de Picasso, dans lesquelles nous avons trouvé tout un tas d'objets inédits à ce jour, des cartes postales, des ouvrages de sa bibliothèque personnelle qui attestent d'un intérêt marqué pour l'art roman.